Bonjour, c'est Hugo Verdu et bienvenue dans mon interview maison. Je vis la situation plutôt bien, voilà, je suis confiné à Bourisp à côté de Saint-Lary-Soulan, dans ma maison familiale à montagne. Voilà, c'est un cadre assez idyllique, donc je fais partie des privilégiés, on peut dire. En plus, avec ce temps, aujourd'hui, on peut profiter du soleil, je suis confiné avec ma mère, donc on en profite bien. C'est parfait. Alors mes journées sont assez remplies, hein. Je bosse mes cours d'anglais toute la journée, je bûche, je bosse, je fais que ça, voilà. Donc c'est assez rempli. Qu'est-ce qui me manque le plus? Bien évidemment c'est le rugby, mais surtout les à côté, si je puis dire. Donc par exemple la vie dans le groupe, simplement aller au stade le matin, passer du temps avec les copains, et voilà. Le domaine où j'ai le plus progressé, c'est sans aucun doute le bricolage. Avec mon frère, on s'y est mis assez tôt durant ce confinement. Voilà, on a réalisé quelques trucs, notamment un lit qui était dans le grenier qu'on a essayé de retaper. On a fait des boxes pour y sauter dessus, pour travailler la pliométrie. Et voilà, je partais de zéro, donc c'était pas compliqué de progresser là-dessus. Alors c'est plus série. J'ai notamment recommencé depuis le début Viking, donc très très bonne série, je conseille. Alors je fais cette question un peu à ma sauce, voilà, je vais pas répondre à la question du coéquipier idéal, mais plutôt du pire coéquipier pendant ce confinement. C'est tout simplement Alban Conduché, voilà, pas de surprise. C'est un véritable ventre sur pattes, hein. Il bouffe tout, c'est un véritable gouffre pour les placards, ils sont vides, notamment sur ça, le miel. Il faut vraiment que tu te calmes, Alban. Alors c'est plus un groupe qu'on a, donc où il y a Alban, Nathan, Andrés, Clément, Jesse et Valentin. Donc voilà, on discute un peu de tout et de rien, notamment sur l'actualité, sur les séances de muscu qu'on fait par exemple. Voilà, c'est très divers et varié, et une petite dédicace au repas des fratés. Alors en effet, j'ai quelques conseils à donner à Andrés Zafra et Vincent Farré. Donc juste pour leur dire qu'ils se calment un peu sur la musculation, notamment les biceps, parce que vous le savez, c'est pas sur les bras qu'on court. Et pour les passes, ça risque d'être compliqué à la reprise. Je pense que c'est un peu comme tout le monde, voilà, on a assez de temps, c'est le grand ménage de printemps. Voilà, je suis dans ma maison familiale et on a fait un gros rangement, je me suis mis aussi un peu au bricolage, donc c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire. La première chose que je ferai quand on sera autorisé à sortir, je reviendrai à Agen voir les copains, voilà, j'irai voir aussi la famille. Mais comme vous pouvez le voir, je ferai aussi des sorties vélo, je suis prêt. La santé bien évidemment, j'espère que vous allez tous bien. Respecter les consignes de confinement, c'est important pour qu'on se retrouve le plus tôt possible au stade. Parce qu'ici, c'est rarement dit.